le déroulement des élections générales et la manipulation systématique et honteuse de la NBC constituait un viol de la liberté à Maurice, un viol du bon processus électoral. Ce n'est pas juste un programme électoral qui concernait, dans tout bas pays, le comportement du média d'État, de la radio-télévision d'État, forme partie de un critère qui, de par le monde, à chaque élection, par une commission électorale et un observateur électoraux, prend en considération. C'est pourquoi, au terme de la loi, la commission électorale assume ses responsabilités dès à présent et parle aussi d'un programme électoral pour commencer. Et dans le contexte de ce qu'il a laissé de faire, bien qu'avant, Maurice a dit qu'il y a une priorité dans le programme gouvernemental après qu'il nous, il ne permet pas une radio privée et d'être aujourd'hui à Maurice, une priorité pour une télévision, un budget télévision privée à Maurice. Monoté qui, de ce côté, à la poste des élections, la NIU, sous le contrôle du policier Djoku, lui aussi est confronté de façon révoltante, comme un agent politique. À commencer par Joe. Nous prenons note de ce bon agissement, de ce bon commentaire qu'il fait dans un cocktail et ailleurs. Nous aimons renseignement le rôle qu'il y en a eu joué dans un pseudo-sondage récemment. M'adresse, en tant que leader de l'opposition, un warning sévère à Djoku et à la NIU. Tout bannement NIU. Tends-moi bien. Djoku, il prend ses responsabilités et nous rejoint le bisou. Mais tout bannement NIU, bisin, prend compte qu'il ne se pas un agent politique, agir d'après la loi. C'est un cyber-warning qui m'adresse à la veille des élections.